Rebonjour, c'est de nouveau Maddy, c'est ma deuxième vidéo du lundi 27 novembre. Et donc je vais traiter la question concernant s'il pouvait y avoir de la soupe dans les anesthésiants dentaires. Alors j'ai fait quelques recherches. Donc j'ai trouvé trois anesthésiants dentaires qui sont les plus utilisés. Il y a la lidocaïne, la mépivacaïne et l'articaïne. La première, il y a le labo Pfi-Pfi qui effectivement la produit. Les deux autres, j'ai pas trouvé les labos. Mais il y a bien du Pfi-Pfi, hein, P-F-I-Z-D-R, qui effectivement produit, on va dire, la lidocaïne. Bon, ce qui est très embêtant, je dois dire, parce que moi aussi, je vais aller chez le dentiste bientôt. Et je crois que je vais lui demander, il vient de quel labo son anesthésiant. Si jamais il devait y recourir. Mais c'est embêtant quand même. Vous voyez, je vais passer pourquoi. Moi, si je dis à mon dentiste, à propos, c'est quoi le truc que vous allez m'injecter? C'est de quel labo? Aïe! Il risque de mal le prendre. Hein. Enfin bref. Bon, avant de sauter en conclusion, on va demander. Alors, est-ce qu'il y a un risque? Tu manques, j'ai les Jeux Olympiques qui sont tombés. Aucune idée pourquoi. Bon, enfin bref, c'est pas le sujet. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un risque par rapport aux anesthésiants dentaires? C'est-à-dire, y a-t-il de la soupe dedans? Étant donné que j'ai regardé, effectivement, c'est des petits flacons liquides. Oui, parce que c'est sous forme de seringue. Donc, c'est liquide. Donc, c'est une question, effectivement, qui a tout son sens. Hein, parce que je ne crois pas qu'on puisse injecter la soupe dans des médicaments qui sont sous forme solide. Ça me paraît compliqué. Je crois qu'il faut vraiment un truc liquide. Bon, et c'est vrai que les anesthésiants dentaires, puisque c'est donné sous forme de piqûres, ça correspond. Alors, on va regarder. Est-ce qu'il peut y avoir de la soupe dans les anesthésiants? En tout cas, certains. Bon, moi, j'ai les conflits et les activistes. Bon, pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Bon, bah, c'est ce qui se passe actuellement. Hein, oui. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la question? Alors, est-ce qu'il y a des trucs dans les anesthésiants? La tempête. Ah, ben, j'ai un truc quand même radioactif. J'ai quand même un truc radioactif, donc on peut considérer que c'est effectivement quelque chose qui est dangereux. Alors, j'ai quelqu'un qui a une blouse blanche quand même. Hein. Oui, bon. Ah, ben, écoutez, ben voilà. Ben voilà. C'est sorti, hein, vous avez vu. Hein. Ouais, ben oui. Ben, écoutez, oui. Alors, pourquoi j'ai tempête et éléments? Alors, éléments, ça peut être élément, un élément de la soupe, hein, au sens un petit élément. Faut pas forcément regarder autre chose. Hein, c'est peut-être que ça. Bon, Luc, on s'en fiche. Excusez-moi. Hein. Il est en train de me reparler. Ouais, non, mais il me dit que... Bon, vous voyez, il est reparti sur autre chose. Il me dit que ces deux pays-là, avec lesquels, d'ailleurs, il y a la guerre... Hein, ça va revenir, à mon avis, c'est peut-être par là. Ça va revenir encore sur le tapis. Bon, là, il m'a répondu, donc je vais pas, pardon, je vais pas prendre le risque de sortir une autre carte qui n'aurait rien à voir. Mais j'ai quand même, le radioactif, c'est un truc dangereux, quoi. Et là, c'est sorti. Bon. Alors, on va demander maintenant, éventuellement, l'Aurora. Je vois ce qu'il est. Il est où, mon jeu? C'est marrant, il se cache. Oh, je vais pas l'appeler quand même. Aurora, où es-tu? Moi qui soit là-haut. Attendez, je vais mettre sur pause. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les substances des anesthésiants dentaires? Est-ce qu'il y a de la soupe dedans? Ah, j'aurais pu demander à mon Dixit. Ah, oh, ben, je verrai après. Alors, il y a des problèmes d'argent et des problèmes de protection. De pénurie. Je ne sais pas trop ce que ça va faire là. Bon. À mon avis, il m'avertit d'autre chose. Hein. Il m'avertit qu'il va y avoir un problème de cash bientôt. Bon, c'est pas ça que je voulais, moi. Ah ouais, bah quelquefois, vous savez, les cartes, elles sortent comme ça. C'est compliqué d'avoir vraiment la réponse à la question. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Alors, là, les choses de l'attente ou du temps. Des choses qui mettent du temps. Et il y a un blocage ou un obstacle. Là, j'étais partie sur les anesthésiants, moi, c'est-à-dire éclairage.
Bon, moi je pense que c'est parce que leur vax là, il est bloqué. Ouais, il est bloqué. Personne n'en veut plus. Bon, là, c'est simplement une personne. Les gens, on va dire. Les gens sont dans un sanctuaire, donc les gens se mettent à l'abri éventuellement. Bon, ok. Et dans les anesthésiants, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des choses qui se transforment. Alors, bien-être. Oui, alors bien-être, effectivement, c'est pour éviter qu'on ait mal, hein. Ok. Et il y a des questions d'ignorance. Qu'est-ce qu'il y a dans les anesthésiants? Un truc que l'on attache. Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Une ambition, une cupidité. Bon, il est en train de me dire qu'en fait, ils vont pas lâcher leur projet aussi facilement, hein. Il y a de ça. Mais alors, il y a des choses officielles sur l'automne. Bon, il m'a pas répondu. Attendez, je vais en prendre un autre. Non, il m'a pas répondu. Là, il me dit simplement qu'ils ne vont pas abandonner leur projet de sitôt. J'ai pas la réponse. En tout cas, j'ai pas compris. Alors, on va demander peut-être à mon petit oracle 111 de nous en dire plus. On va laisser Israël et Lucre. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des choses dans les anesthésiants dentaires? J'ai l'impression que ça dépend des ballots. Hein. Ils sont pas tous pourris quand même. Donc, on va demander dans au moins celui fait par Pfi. Est-ce qu'il pourrait nous mettre du truc dedans? Alors, conflit, procès, dispute. Oui, bon, bah, ils vont peut-être avoir des ennuis, d'ailleurs. Lentement, doucement, mais sûrement. Oui, bon, ils vont avoir des ennuis, le ballot, là. Il y a des histoires de procès ou de dispute. D'accord. Bon, c'est toujours intéressant, mais est-ce qu'il y a un risque de prendre un anesthésiant dentaire? La meilleure carte du jeu. Bouleversement. Provoquer. Alors là, il est parti sur autre chose. Ben oui, c'est comme ça quelquefois. Hein. Bon, moi je pense que oui. Hein. Au vu des premières cartes, on va considérer que le Divine Actu nous a répondu, vu que j'ai quand même sorti la piqûre sur tout le jeu. Par contre, là, il est en train de me dire complètement autre chose. C'est parce que l'événement, il est trop important. Il y a un bouleversement qui arrive là. Il y a un bouleversement qui arrive avec des affrontements. Et c'est info cachée, vous voyez, une info cachée. Bon, bah, on va essayer de creuser alors. Donc, on nous prépare encore un truc. Alors là, il y a un homme sincère. Oui, et qu'est-ce qu'il nous fait celui-là? Une femme sincère aussi. Ah, ben, ce serait bien, hein. Les guides et les défunts. Bon. Distance. Il y a des gens à l'étranger, apparemment. Il y a des gens à l'étranger qui. Il y a un bouleversement à venir. Une solution. Bon, il est en train de me parler de choses, de soupe. Hein. Il est en train de me parler de la soupe. Avec des gens bien intentionnés qui vont faire certainement la lumière là-dessus. Bah oui, parce que j'étais quand même partie là-dessus, moi, sur la soupe. Hein. Notamment quelque chose concernant les enfants. Un projet. Une association, une union. Il y a des gens qui ne sont pas très contents par rapport à ce qui s'est, vous voyez, guérison, soin. Il y a des gens qui ne sont pas contents là par rapport à ce qui s'est passé avec la soupe, hein. Il y a un gros truc qui arrive là quand même. Hein. Alors, est-ce qu'on parle bien de soupe? Message envoyé. Oui, il y a des choses qui vont être communiquées. Communiquées, pardon. Les fleurs, les plantes. Ça sent la médecine quand même. Hein. Repos, calme, refuge. Bon, ça veut dire aussi que les gens, à mon avis, vont aller davantage vers les plantes. Ben, ça, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui va se passer avec les vax? J'étais pas partie là-dessus, mais. Ah, il y a les gains d'argent, ouais. L'argent, l'argent, l'argent. La justice. Il va y avoir des gens qui vont gagner les procès, certains procès qui vont être gagnés. Oui. Donc il y a des gens qui vont être indemnisés. Bon.
Ok. Grâce à l'action de personnes honnêtes et sincères. C'est sorti deux fois. D'accord. Et il y a certaines personnes, à mon avis, qui vont refuser tous les trucs médicaux et qui vont davantage se tourner vers tout ce qui est fleurs, plantes, enfin fleurs peut-être pas, mais phytothérapie, oui. C'est marrant que je sorte ça. On va demander qu'est-ce qui va se passer pour Psy-Psy? Qu'est-ce qui va se passer pour les ballots? Alors, bon, ils ont de la chance. Pardon, ils ont. J'ai pensé que c'était chance. Non, c'est avant agenda chargé, oui. Mais mise au point, négociation. Alors, agenda chargé, mise au point, négociation. Âme sœur, bon, ça peut être la Ursula. Ah, ils vont quand même essayer quand même de nous imposer encore un autre truc. Vous savez qu'il y a encore des doses qui n'ont pas été livrées, hein. Moi, je pense que c'est ça, parce que j'ai agenda chargé, négociation. Parce qu'il y a des États qui ne veulent pas avoir ces fameuses doses de soupe en disant que de toute façon ça marche pas et puis il n'y a plus de pandémie, donc il n'y a plus rien, ou il n'y a plus de pandémie, donc ils n'en veulent plus. Sauf que Pipi dit, ah bah oui, mais vous vous êtes engagé, donc vous devez payer même si vous n'en voulez pas. Et en gros, c'est ça, parce que je vois quand même des négociations, moi. Et âme sœur, c'est qu'il y a quelqu'un qui va aider les ballots à avoir gain de cause, d'accord. Alors, personne de cœur, ça m'étonnerait. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, danger. D'accord, danger. Patience, oui. Il nous prépare autre chose, hein. Il nous prépare autre chose. Il nous prépare autre chose de mauvais. C'est ça. Ils sont pas finis quand même. Hein. Bon, c'est-à-dire qu'ils peuvent être mis à mal effectivement par les histoires d'indemnité ou de procès, je pense hein, quand même. Mais ils nous préparent autre chose. Ils sont très très riches. Hein. Faut pas oublier quand même qu'ils sont très puissants. Et qu'est-ce qu'ils nous préparent? Flemme. Coup de chance. Coup de bluff. Encore un coup de bluff. Un coup de bluff. Avec de la manip et le fait qu'il y a certaines personnes qui vont pas bouger. Oui. Ça va toucher les foyers, l'administration. Il nous prépare autre chose. L'accident. C'est-à-dire. Bon, bah ça, c'est l'organisme mondial de tout ce que. Des malfaisants de la santé, là. Hein. Ils vont rentrer dans la danse. Ils vont rentrer dans la danse. Donc, ils nous préparent autre chose via cet organisme. C'est ça. Cet organisme de la santé. Message reçu. Oh là là, ils sont en train de préparer un truc. Bon, j'en ai tiré beaucoup, donc faut pas, hein, faut pas faire comme moi. Mais je vois que un plan ne fonctionne pas, on en met un autre en route. Donc pour répondre à la question, parce que du coup j'ai débordé du sujet, oui, il y a un risque. Mais j'ai envie de dire que ça va dépendre en fait. Pas tous les anesthésiants. Voilà. Ceux qui sont fabriqués par Psy. Parce que là, c'est sorti tout de suite. Vous voyez? Donc oui. Les autres, à mon avis, non. Bah non. Donc il faudrait savoir de quel anesthésiant. Le dentiste l'utilise, sachant que j'ai fait des recherches et que la lidocaïne, c'est celle qu'il ne faudrait pas prendre. D'après ce que je vois. Hein. Voilà. On peut poser la question rapidement. Alors, on va poser la question. Lidocaïne, c'est bon, c'est pas bon? Va demander. On va faire avec le Béline, hein, c'est plus neutre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant la lidocaïne? Allez, rapidement. Bon. Très mauvais. Destructeur. Et effectivement, voilà. Au petit bonheur, la chance, hein. D'accord? Donc là aussi, il doit y avoir des concentrations diverses et variées. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la. Attendez, je regarde. La mépivacaïne. Oh là là, ils ont des noms. Alors, la mépivacaïne, c'est le deuxième anesthésiant. Je regarde que la coupe, hein. Ah, il y a quand même un truc, hein. Vol perte. Il n'est pas très bon non plus, celui-là, apparemment. Bah, flûte alors. Bon.
Et le troisième, Articaïne. Maladie, honneur. Bon, celui-là, apparemment, il a l'air d'être mieux, mais même si j'ai quand même la trahison en dessous, mais... Oh, elles sont pas bonnes, les cartes. Flûte, flûte, flûte. Donc, les trois sont pas bons, alors. Est-ce qu'on va demander, est-ce qu'il faut absolument éviter les anesthésiants? Alors, est-ce qu'il faut éviter les anesthésiants? Parce que j'ai quand même trois mauvaises coupes. De nouveau. Ah bah alors, ouais, bah écoutez, ouais. Il faut les éviter, ouais. J'ai maladie et mort. Donc oui, les trois sont pas bons. Je pensais qu'il n'y avait que le premier, mais en fait, non. Ça se trouve, les deux autres sont faits aussi par fille. Hein. J'ai pas trouvé, je vous ai dit, par qui c'est fait. Donc c'est mauvais. C'est vraiment mauvais. Ouais, ouais, ouais. J'ai bien, vous voyez, la santé, la maladie, la ruine et la mort. Oh là là, ils veulent vraiment... Donc, à éviter. Une question qui était effectivement très, très bien, très, très importante à poser. Donc, bon, bah, vous savez maintenant. Hein. Alors, que faire? Bah, je ne sais pas. Aucune idée. Éviter d'avoir des caries. Ou alors, refuser la piqûre. Mais alors, ça veut dire qu'on va le sentir passer, quoi. Bon, je vous laisse à vos réflexions, vous me direz ce que vous en pensez, et je vous dis à bientôt. Au revoir.